Moyo naba téléspectateur nyoso ya Congo Live Télévision mbote enange mbote naba téléspectateur nyoso bakei kolanda beto na ngonga yai na diaspora na lobi mbote naba congolais nyoso bakei na kolanda beto na ngonga yai na République démocratique du Congo bozali na bandundu Bozali na Mwene Ditu, Bozali na Lualaba, Bozali na Équateur, Bozali na Kinshasa ville province, Bozali na Walikale, Tozobosa na Bayenyo, so Bazali na Sitkivute, pourquoi pas Bandeko Oyo Bazulanda, Congo Live Télévision, chaîne na Biso, Oye Kabela Kabino, ba information. Depuis la ville de Beni, Topesibino Matondo pour la fidélité na Bino, Bayenyoso Bazalaka toutefois na intérêt ya Kolanda Congo Live Télévision, na mukolo mwalelo to biboye et la mukolanda manaka na biso oyo et kabela kabino basango ya makambo ezoleka en République démocratique du Congo. Pona lelo bobenganga lisusu Youssoufou Kibingila à David journaliste d'investigation basé en République démocratique du Congo naza awa pona kabela bino basango ya masolo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso tokolobela makambo oyo mazoleka na kati ya mboka na biso tokobandela le plat sécuritaire poto souke la politique oyo makambo bazokumba mboka nini ezo frene makambo lelo sur la ligne de front ke bitumba ndenge tolozalaki kolobela yango esengelaki esila tuna mokolo mwalelo bitumba ezo sila te nini ezali oyo ezo bloqué ezo frene bitumba sur la ligne de front Togolo Belape, Bitumba Oyo Ezalaki signalé tout le long de la semaine passée. Les résultats de ces affrontements, c'était quoi aujourd'hui? Mercredi, dames, messieurs. On est encore là pour vous informer de ces actualités. Boyoka Kib, Esengeli Bomona, Teleza Radio T, Esengeli Bo comprendre réalité. Yamakambo Oyo Mazo le Kanaka Tiambo Kanabiso, c'est-à-dire, on fera aussi. Retour en image sur les affrontements qui se sont déroulés le long de la semaine. Les résultats. C'est quoi les résultats de ces affrontements? Nous avions entendu par nos sources dans la zone autour de Kanyabayonga, dans la zone autour de Kioulou, dans la zone autour de Bualanda, dans la zone autour de Kikuku, que des rides affrontements ont été signalés. Les FRDC ont pris d'assaut, ont pris l'avancée sur l'ennemi. Banguna Oyoba Betamaki n'a pas à FRDC. Et ils ont été obligés de fuir. Ils ont été contraints de fuir. Vie, pression, oyo, FRDC, Bayaka Kinayango. Vie, détermination, oyo, les forces armées de la République démocratique du Congo, Bayaka Kinango, les rebelles du 23 ont été contraints de fuir. Bakima Kinabango, sa Kotala Sima. TVZA Radio T, et Yokamaki. Mukolo oyo tiki koleka ke ba village ebele eleki na kati ya maboko ya FRDC a produit des affrontements avant que to visualiser to décrypter elongo eloko oyo to lingi to tia je m'en vais placer un mot à tous ces téléspectateurs je m'en vais placer un mot à tous ces congolais aujourd'hui qui restent Il y a des confusions disant qu'il y a des affrontements qui sont signalés. On nous dit qu'il y a l'avancée de l'armée congolaise, mais il n'y a aucun village récupéré. C'est vous alors qui n'êtes pas informé. Yebisa Mutu, Oyo Akwebisa Yo Makambwana, qui yende aza informé. Parce que nous, journalistes d'investigation, nous y sommes pour dire la vérité, rien que la vérité. S'il y a un village qui a été récupéré par le FARDC, on est là pour vous dire. S'il y a un endroit où les M23 ont encore avancé, On est là pour vous informer. Rien que la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, toute la population congolaise est concentrée sur la guerre. Yango tozoloba. Bozana intérêt. Yakoye ba makamboza le kalakati amboka pour que ba kosa binote. Parce qu'aujourd'hui, ba tubazo kosa na makasi. Quelqu'un va dire les FRDC bazo mata sur les lignes de front. Mais bazo récupérer ba village des Alukuta. Alors à quoi sert la montée en puissance s'il ne récupère pas de village? À quoi sert aujourd'hui que tolo baba FRDC ba beta qui M23? Il y a les M23 qui ont perdu la vie. Il y a plus il y a 65, plus il y a 70 blessés,
plus de 65 Bakufaki, qui ont été acheminés au Rwanda par certains témoignages au Batubazo Tiabiso dans la région. Et puis, ça n'a pas de sens qu'il y ait au Bamakambouana et qu'il n'y a aucun village que le FRDC ait récupéré. Donc, à ce sujet, Batunyoso au Bazolo Balikambouana. Déjà, donc, si quelqu'un vous informe comme ça, si quelqu'un vous signale comme ça, sachez déjà que lui n'est pas informé. Parce que au moins que Toko Lobango Lelo, Batu Oyo Baza informé na Bitumba, Bisoto Zaliwana, parce que nous nous rendons au terrain, nous nous rendons au front pour vivre, pour connaître au moins la vérité sur ce qui se passe sur les lignes de front. Et yokamaki semaine oyo etiki koleka tolobaki yango na manaka moko ya ba manaka oyo na ba emission oyo tolobaki semaine etiki koleka eke ba koma ezalaki signalé. Des Rwandais ont été enterrés dans des fosses communes. L'armée rwandaise ba officier na bango oyo bakufaki bazalaki acheminé au Rwanda. Bamosu bazo kanisa za propagande tozo sala. Za propagande te. Je ne suis pas là pour faire les djalelo, il y a FRDC. Je ne suis pas un porte-parole à FRDC. Mais nous sommes là, je suis journaliste, nous sommes là que pour vous donner la vérité, la réalité des choses. Retour en image. Technique, préparez-moi la vidéo. C'est quoi l'information? L'information face à cela. Il y a eu de rides affrontements. Babitumba ezala qui signalé. Bitumba Oyo ezala qui signalé. Les rebelles du 1-23 Bazalaki Basibati et Bazarière Nabango. Repli stratégique Bazalaki. Parce que dans les quatre directions qui occupent, qui entourent la commune rurale de Kanyabayonga, dans trois directions, ils sont dispersés. Ils ne sont plus visibles. Et c'est une direction où les affrontements sont signalés. Alors, Bisika Oyo Bakendaki ko beta backup, background, Bisika Bakendaki ko mi installé, zala moko ya ba base na bango makasi na kati ya territoire ya Rutshuru. Wazalendo bakota ki liboso, FRDC sima, ba développer système. Parce que je vous avais dit, na ebisa ki bino na manaka moko oeke, ba FRDC pe ba bandiko kate la banzela mike mike, do ba bandiko a emprunte les sentiers, pour tendre les pièges, pour tendre des embuscades aux rebelles du 1-23. Et c'est comme ça les rebelles du 1-23 se sont trouvés encerclés, sans savoir ce qu'ils vont faire. Bamoko na bango bakufaki, avant que base Oyo Bozo t'allez à la récupérer. Bamoko na bango bazalaki capturé, c'est-à-dire ils se sont rendus et ils ont abandonné logistique nyonswa na bozutal. Wana ezalaki moko ya ba base na bango. Déjà le wazalendo sola. Le wazalendo bazali wana. Base na bango munene oyo batikaki. Base na bango munene oyo batikaki wana. Tout cela pourquoi? Parce que le FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo, bazo monisa volonté na bango. Ya kosili sa bitumba. Et ceux qui bango bazo monisa volonté na bango kosili sa bitumba. Qui bloque la guerre réellement? Qu'est-ce qui bloque la guerre réellement? Est-ce qu'il y a plus de blocage? Nous sommes en train d'avancer pour voir finir avec ce terroriste d'IM23, avec l'armée rwandaise. Na batu o e bazo sunga bango bien ke bazo linga bamo nanate. Yango eza moko ya ba résultat ya bitumba oyo esalemaki semaine passée. Yango eza moko ya ba résultat ya affrontement oyo bazalendo coalition ya wazalendo na ba FRDC basalaki. Bazwana ba munitions nyonso wana bozomona, ba bombe nyonso wana bozomona. Yango ba utilisaki avant-hier pour bombarder dans la cité de Kanyabayonga, dans la commune rurale. Bisika baki melaki, après avoir laissé logistique na bango, wana obozomona, baki maki na direction mosusu, kunande bakendaki balargaki 14 bombes. Na 14 bombes wana, 2 fillettes bakufaki, na 11 personnes, oyo bazalaki blessé. Hier, je vous ai dit que c'était une personne qui est morte.
Lobi moko akufa kili susu neba komi 2 plus 11 oyo eza blessé. Les rebelles sont aux abois aujourd'hui. Les rebelles ne savent plus où aller aujourd'hui. C'est un signal fort. Eza moko yaba message oyezo kende koebisa kagame ke réellement il ne tient plus fort sur le sol congolais. Ce qu'ils disent maintenant est que la République démocratique du Congo ezo mitia liboso, le gouvernement congolais ezo tia makambo liboso mais bazo le récupérer rubaya te bunagana te. On ne va pas tomber d'Abunagana, mais il y a le long des chemins. Il y a un processus pour arriver à Bunagana. Déjà, à Rubaya, les rebelles sont encerclés. Ils ne savent plus comment sortir. Bah, éviter boni bakobi mawana. Et que ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est encourager les FRDC à faire la guerre. Tozo encourager bino. Diaspora et zotia bino makasi. Diaspora ezana elikia nango epa na bino ba FRDC oyo bolanda kabiso. C'est-à-dire bitumba lolenge ezo kende. Ce qui ba FRDC ba continuer lolenge wana dissiper bitumba ekosila. Yoza informé te ozo kaniseza propagande o tozo sale la FRDC. Yoza informé te ozo yebate ce qui mwana munya Rwanda azo sila sur les lignes de front. Yoza informé te tikaka na distraction na yo. Tikaka kana ignorance na yo, vous qui pensez que cette collaboration, même les lots, collaboration à ba Congolais na ba Rwandais ou bazalaki kosala, collaboration à ba traître Congolais, laisse-moi utiliser ce terme-là, collaboration à ba traître Congolais, ils ont diminué. Parce que ayebi, ceux qui bazouillent, la population a commencé à elle-même. Il y a quelqu'un au bazoua qui n'a sa ke, aza ki ko filme ba position à FRDC. Population en gomoko yuzoua ki ye, ba tumba ki ye, akufa ki bongo. D'après certains qui aza ki ko tinde la ba image wana ba M23, d'après d'autres, aza ki ko tinde angote. Mais conséquence c'est anine. Le loso ki population yango gomoko yebi, ozo sana makambo wana, ba koya ko tumba ta epanayo. Yango bango bazo banga, il est fort, menakati ya molili. Alors, deuxième point à Bissou. Eza point. Massacre à Beni. Batoubazo Koufana Beni. Depuis 2014, aujourd'hui déjà 12 ans, Batoubazo Koufa. Et ça, on ne peut pas normaliser ça. Tokoki jamais qu'on normalise Makambouana. Eza Batoubazo Sila. Madame Judith Soumino, à tout comme la bisikawana, et c'est que l'hôpital n'a pas na peine. Si Sama Lukonde n'a pas été capable à mettre fin à cela, bien que Bélé Bazolo Baké Bazo estime Bélé Maka cité Panayo, chacun a version naïe, mais vous pouvez le prouver aujourd'hui quand même que vous êtes aussi capable à mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays, à l'insécurité à Beni. Pensez pieuse, mes sincères condoléances de la part de la Congo Live Télévision, Nabatounyo so Oyo, Babungi Saki, ba famille na bango, ba maman na bango, ba papa na bango, ba frère, ba sœur na bango, parmi les personnes qui ont été massacrées par le ZADEF à Beni. Nous continuerons à parler cela. Tous les jours, on en parlera. Jusqu'à ce que ça prendra fait. Mais on en parlera au moins. Ce n'est pas ce que l'Est de la République mérite aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'insécurité. L'Est de la République ne mérite pas ces massacres. Donc, les lots, Batoubazo Koufa, Bakonzi et Sengeli Botale la Likambouana. Qu'est-ce qui se passe à Beni? Quelques jours après que Batiwe Baboumi, Bila ya gouvernement congolais, ezali 41 personnes. Bila ya Nations Unies, ezali 57 personnes. Bila ya société civile, ezali plus ya 80 personnes. Et Bila ya population, ezali plus ya 120 personnes.
Déjà, il y a même des confusions. On sait à Mabila, tu es bité bilé à nani, tu es considéré dans le cas de Makamboyo Joana. Mais qu'est-ce qui est venu après? Les commandants des opérations militaires sous Kola 1, le général Bruno Mandefou, est arrivé à Biakato, au Grand Nord. Sur place, l'armée a lancé des patrouilles pédestres d'urnes pour dissuader et neutraliser les ZADEF dans cette région. Cela intervient après le tuerie de près de 100 civils dans la zone. Le commandant des opérations Sokola 1, le général Bruno Mandefou, Azamoko Yaba Kombata, Azamoko Yaba Général Moko, Azamoko Yaba Généraux, voulais-je dire, Yaba Généraux Oyo, Toyebike, Bazalaka, au moins, na volonté à ko changer Makambo. Général, vous êtes capable à mettre fin à cela. Tozo e balelote. Ata lolenga koloba makambo. Les UPDF sont à béni. Mais on continue à tuer les gens. Les UPDF sont accusés d'être de mèche avec le M23. Le président de la République, tantôt, a menacé de dissoudre cette collaboration. Le président de la République, l'autre fois, a promis de mettre fin à l'existence des UPDF sur les sols congolais. Vous conduisez votre population au isocila. Nous, on n'est que journalistes pour vous informer de ce qui se passe de l'autre côté, pour alerter que la situation devient dangereuse. Nous, on n'est là que pour dire ce qui se passe. Makamboyaka, Titoebi, Makasite, mais on est là que pour signaler que Ezabatu, Oyo, Bazo, Koufa. Des personnes qui allaient remplacer ces ministres, oh, bazo ça, la même erreur, bazo massacré, même le français. Ce sont des personnes qui devraient remplacer, batu oh, bah soin disa, oh, tozo tiens la bango mitema qui bako bongi samboka, mais même s'exprimer devant les gens. Et comme il problème, comme nous l'avions observé hier, la plénière. Et on se demande aujourd'hui, est-ce que Zali blague Batoubazo Tia? Et si encore on fait des plaisanteries au sein de ce gouvernement, quels résultats peut-on entendre de ce gouvernement? Ce qui déjà au départ, on commence avec des gens pareils. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut espérer à cela. Voilà donc. Le général Mandefou est arrivé pour voir comment on va appréhender les ZADEF, comment Bakozoa Bango, comment Bakokanga Bango, mais est-ce que le système est aussi là? Mais tout ce que nous informons, qu'il est arrivé et la population entend gronder lui pour voir comment est-ce que ce massacre est aussi là, pour voir comment est-ce que le ministre Mwandia Vita, ministre de la Défense nationale, Mokonzi Guy, Kabongo Mwandia Vita, wana nyoso ba défi ezoze la yo. Wana eza ma défi ezoze la yo. Eza moko ya ba défi sur le plan sécuritaire dans l'Est et la République. Mokonzigi Mwandia Vita, eza moko ya ba défi ezoze la yo. Ba mubi ba tuna beni. Ba M23 bazo menacé. Makambozo continue insécurité sur l'étendue du territoire national. Ils ont continué. Ils ont défi, ils ont challenge. Si aujourd'hui, on parle de Bemba, de son passage sur ce ministère, on parle de Bemba, na passage dans un ministère wana. Ma plus grande question à votre regard, Excellence, est que qu'est-ce que le peuple congolais retiendra de vous juste après votre passage au ministère de la Défense? Ma peuple est à Est. Après que les canaux, on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement vous allez remanier, soit que vous allez remanier, soit que vous allez remanier. Mais qu'est-ce que les Congolais retiendront de vous dans le passage dans le ministère de la Défense? Peuple à Est, ils ont allé là. Peuple congolais, ils ont allé là. Mon Konzi Guy Mwandia Vita.
Gouvernement souminois, après 11h55 d'un débat, dans la démocratie de la présentation du programme du gouvernement Judith Souminois, 3h04 de l'Est ce mercredi. Ce mercredi, Ezaliki Olubae qui est plénière Ebandaki Lobby et Yekosi Ebandaki Lobby vers 13h55 et Yekosi la Lelo vers 3h04. Le programme du gouvernement souminois est adopté par 397 voix pour 6 pour. Donc, Obaoyo Bandimi, sur 405 députés, 0 voix contre. Donc, Atamutumoko Teo Yaboya qui programme Wana, 8 voix pour obtention. Ainsi, la première ministre Judith Souminois entre officiellement en fonction et devient la toute première ministre de la République démocratique du Congo. 2h04 à Kinshasa, l'Assemblée nationale a approuvé la motion d'approbation du programme d'action du gouvernement Judith Souminois Touluka. Après 11h, il y a débat, Judith Souminois Lelo a continué en fonction. Baremise reprise de Kosalema, Baye Oyo, Balinga Kite Babima, et Sengeli Babima, Batikala Bamoussousou, place Basala. Judith Souminois, Madame ministre, Premier ministre, projet de mesures urgentes pour mettre fin à la guerre du M23 et ramène la paix dans la zone touchée par l'insécurité, principalement dans l'est du pays, qui fait face à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Sur le plan sécuritaire, notre pays est confronté à une situation précaire qui demande une action urgente, notamment dans le nord Kivu où l'armée rwandaise, sous le couvert du mouvement rebelle M23, continue de fragiliser le tissu socio-économique et occupa de partie des territoires de Rutshuru. Masisi Nyiragongo a indiqué la première ministre Judith Souminois Oyo Azalina challenge défi yako relevé ba problème yaba congolais. Mesdames et messieurs, eza donc suka ya makambona biso ya lelo nazalaki wabino Youssoufou Kibingila David journaliste d'investigation nayaka ki mukolo mwalelo ko kabela bino basango ya makambo ezo le kanakati ya mboka na biso ezalaki donc masolo oyo tuzalaki nango. Nalobi matondo mingi na ba Kongole nyoso oyo balanda kibiso na diaspora. Nalobi matondo mingi na ba Kongole nyoso oyo bazalaki kolanda biso na kati ya République démocratique du Congo. Nalobi pe matondo mingi na bandeko oyo bazo continue kosunga biso. Tozo senga lisungi na bino pour améliorer la qualité à travail oyo tozo sala eko sala pe moi bien. Ceux qui osali commentaire na yo nini ozo zela na gouvernement souminois oyo ezo banda musala na bango deja lelo. Tozo observer kota la ba anti-valeur e sengele batiango pe pembeni et puis ba valeur batiango liboso. Dames messieurs, excellente journée à vous pour aujourd'hui. Natigali joignable au plus 243 993 46 71 93 si vous voulez bien me joindre. Vous avez des dons, vous avez de l'isungi pour améliorer ce travail pour la kosunga pe musala oyo tozo sala et ko sala biso moi bien. Merci dames messieurs, excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités.